On dit bonjour YouTube, et on reprend la quête que du coup je ne sais plus où est-ce que j'en étais. C'est un peu fort la musique, non? Je crois. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Ok, fort bien. Où dois-je me rendre? Où est la quête principale? La rage du roi de la forêt. Aller à la rencontre des liens. Ah oui, donc on repart là-bas. Oui, ok, faut que je... Oui, c'est bon, j'ai... On va aller se friter contre le Pokémon du trailer. On va aller se friter contre le Pokémon du trailer. Par contre, je vais passer par là-bas. Roulade. Et je vais aller déposer les Pokémon que l'on ne veut pas. Bonjour madame. Non, se faire un petit, j'ai envie de garder en vrai. Hein, pour le moment. Par contre, je viens récupérer le gros caillou. Il faudrait... Non, je vais le poser, le Nosferapti, et je vais récupérer le Chenipote parce que... Il faut que je vérifie la quête, en fait. Il faut que je vérifie la quête. Et pour vérifier les quêtes, on fait Y mission là-dedans. Mission secondaire. Un Chenipote peut évoluer. Donner un Chenipote à Emilion. Ah, faut juste lui donner un Chenipote. Mais putain, j'avais rien compris, moi, en fait. Je suis vraiment trop con. Poussez-vous, je peux pas roulade. C'est le monsieur qui est devant. J'ai pas de voix pour lui. Tu viens me donner un chenipote? En effet! Avec grand plaisir. Tiens, je te donne même celui qui est niveau 6. Comme ça, il va évoluer vite. Tu seras vite content. Wow, mais tu m'en as vraiment ramené un. Merci. T'es aussi doué qu'on le dit, à ce que je vois. Eh ouais. Maintenant, faut que je lui donne un petit nom qui lui va bien. On m'a dit que son évolution finale s'appelait Charmillon. En prenant cette donnée en compte... pas facile. J'ai quelques idées, mais je n'arrive pas à me décider. Dis-moi, est-ce que tu préfères Charmimi ou Maximilion ou Jean Charme? Ah non, mais... I'm down. Il y a pas photo. À quel moment la question est posable? C'est Jean Charme et puis c'est tout. Jean Charme. Jean Charme. Et Jean Charme, quoi. J'espère même que ça va devenir un personnage récurrent pour le coup, quoi. Bien sûr qu'on veut, on veut voir la vie de Jean Charme tous les jours, nous. Alors, Champy, ça n'en a pas. Nani a une mission pour vous, allez lui parler. Le jeu des Baudrives. Un nid au corps de défense. Corps de défense, c'est ce qui est là-haut, c'est ça? Visio au corps de défense. Ok, donc ça, faut que j'aille là-bas aussi, je pense. Du corps de défense. Ah putain, mais les mecs du corps de défense veulent me missionner, hein. Montrer la page Pokédex de complète de Krixit, donc ça c'est pas encore. Et donner un racaillou. La villageoise. Ouais, mais non. Je t'en donnerai un tout à l'heure, j'en attraperai un autre pour toi. Je vais pas te donner mon racaillou. Mon racaillou, c'est mon copain à moi, ok? Je ne suis pas d'accord. N'est-ce pas ici le corps de défense? Bonjour. Faire le tour des capacités, du coup. Qu'est-ce qu'il peut apprendre, Cracaillou? Ils peuvent pas éclatroc, ouais, bof. Piétisol, c'est bien. Piétisol. Ah, les pièges de roc. On met des pièges de roc direct? Déjà, on va prendre piétisol. 1500. Ah, mais je suis pas très riche, non. Quoique. J'hésite. Voyez-vous? Parce que les pièges de roc, ça peut mettre bien tout de suite, dès le départ, comme ça. Allez, on prend. On prend piège de roc. L'éventail de capacités de Racaillou s'élargit. Et sur Baudrive, on se fera petit, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Vent mauvais, c'est bien. Hein. Pour le moment, il a choc mental, hypnose, étonnement.
Plénitude, repos, puissance, on s'en fout. Météore, c'est bien pour un combat multiple. Mais vent mauvais, puissance 60, précision science 15 pp. Et cette bestiole, ça tape en spécial. Ah, j'embarque. Hein. J'embarque un vent mauvais pour mon Beaudrive. Hein. Ouah, elle a dit la dame. Non. Merci. Par contre, je veux savoir où sont les autres gens du corps de défense. Pour aller. Ah! Ça, ça doit en faire partie, non? Mais non, ça, c'est un paysan, ça. Ah, mais je le connais, lui. Ah bah non, c'est juste que c'est le même. J'étais dans la forêt lointaine à chercher des plantes à cultiver et tout se passait bien. Mais d'un coup, je suis tombé sur Cerifleur en train de changer de forme. Il était tard, il faisait assez sombre. Je ne suis pas sûr d'avoir vu des pétales devenir un bourgeon. Nanana, je me suis dit, c'est la fameuse évolution dont tout le monde parle. J'étais si heureux d'en avoir une de mes propres yeux. Mais le truc, ce que je suis retourné voir le lendemain, il avait refleuri, t'imagines? Du coup, vu que sa corolle s'ouvre et se ferme, est-ce qu'on peut vraiment parler d'évolution? Quand tu auras toutes les informations, nanana, nanani, nanana. Ok, c'est une nouvelle quête secondaire. Bonjour, on cultive ici. Je peux pas passer dans ce coin, c'est la première fois. Une autre quête secondaire que je n'ai pas à attraper. Oula. En plus, c'est une sortie de. Elle lui veut voir un musté-flotte. J'ai parlé au professeur l'autre jour. Notre conversation m'a donné à réfléchir. Nanana. M'en fous, pas lu. J'aimerais bien avoir un Mustéboé à côté d'un Mustéboé plus grand pour pouvoir les comparer. Ok. Il paraît que tu t'y connais en capture de Pokémon. Donc je voudrais te demander un service. Jamais tu attrapes un Mustéboé plus grand que le mien. Tu voudrais bien me le donner? Ça marche. Je peux faire ça pour toi, jeune homme. Eh mais faut qu'on ajoute les PNG de nos nouveaux copains dans les copains. Vraiment chiant que ce soit le plus opti pour se déplacer, ce soit la spam roulade quand même. Encore une quête. J'adore les quêtes. Hop, hop, hop. Bonjour. Imagine, tu vois un mec qui débarque en roulade comme ça devant toi. Roulade, roulade. 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 J'ai une requête à te formuler. Formule, mon grand, formule. En fait, quand j'ai un peu dans la maison, il me tient très à cœur. Oula, 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 fais pas cette tête, frérot. Sans plus attendre, voilà la méthode en question. Des poupées Pokéchi. Oh! C'est les ancêtres des Oh merde, j'arrive plus à parler. C'est les ancêtres des poké-poupées. Les fameuses poupées koshi japonaises. Ils ont bien bossé quand même sur le côté moyen-âgeux là. Tu en confectionnes une et que tu me la montres pour la comparer aux miennes. Hâte de voir le résultat. Bah écoute, ça me paraît... fort réalisable, ma foi. Donc là, je peux rentrer chez tout le monde. J'ai pas trop fait le tour du village encore, mais je suis sûr qu'il y a des trucs cool à choper. Bon, à part quand tu rentres chez les gens et qu'il y a personne, en effet. En effet, il n'y a pas de grand monde. Bon, attendez, je vais re-regarder ma quête parce que j'aurais bien fait les petites secondaires. Qui... Non. Ah, mais j'ai voyage rapide. Oh, c'est trop cheaté, ça. Secondaire. Est-ce que... Nani a une mission pour vous, allez lui parler. Voilà.
Si je fais ça, le jeu des Baudrives, ok, donc ça me dit que c'est pas là, ok. Ben voilà, c'était tout ce que je voulais savoir, moi. Hop, hop, vite, en mission, donnez-moi un vélo. Encore, mais il en pop toutes les 3 secondes en fait, des quêtes secondaires là. Bonjour, on m'appelle Rouladman. Bon, si un Pokémon me court après, une Béoran devrait suffire à détourner son attention et à me laisser le temps de fuir. Bah d'accord, merci pour l'astuce. Et toi, t'es du corps des chercheurs, non? C'est mon jour de chance. Je t'explique. Je veux me rendre dans les plaines pour ramasser des galets, mais je n'ai plus beaucoup de Béorans. Est-ce que tu peux me prêter des Béorans? Oui, je vais te donner des Béorans. Tiens, mon grand. Oui. Tiens, c'est cadeau. Mais oui! Tu as beau être tombé du ciel, je te dois quand même une fière chandelle. Laisse-moi les ranger dans ma sacoche. C'est cadeau, je m'en souviendrai. Je vais ramasser tous les galets des plaines, tu verras. Ah bah super. Moi je pourrais plus fabriquer de bol après. Ah, trois rappels. Eh, trois Béorans pour trois rappels. Je pense que l'échange est worth, comme on dit dans le milieu. Hey, mon ami, comment tu vas? Alors, est-ce que tu maîtrises les techniques secrètes de l'approche surprise maintenant? Quoi qu'il en soit, voilà des super potions pour toi. Après tout, un membre du corps des chercheurs qui part en expédition, c'est toujours bon pour les affaires. C'est cadeau. Dirons-nous, c'est un investissement. Vous recevez trois super potions. Eh, on se met bien. On se met bien. Sur ce, il me reste des ruines à explorer. À la prochaine fois. Oui, il parle comme Philippe Manœuvre. Oui, monsieur, je quitte le vide. Attends. Quoi? Attends, 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 attends. Carte. Et la mission. Ah, ok. C'est que c'est pas la même porte. Hop, 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 hop. Je sais, c'est un peu chiant, hein, mais. Le déplacement instantané. Un TP après pour retourner à la porte. Alors, bonjour madame, merci d'avoir accepté de m'aider à régler mes problèmes de Baudrive. Quel soulagement! Laisse-moi t'expliquer la situation. Il semblerait qu'un Baudrive joue tous les soirs avec un enfant sur la plage Premier Pas. Cela me plaît vraiment pas que les Pokémon jouent de la sorte avec des êtres humains. Ils pourraient les attaquer. Le corps de défense s'est donc précipité pour vérifier que tout allait bien. Heureusement, aucun enfant n'a été blessé, mais ils disent aussi n'avoir vu aucun Baudrive. Toutefois, plusieurs personnes du village affirment avoir vu ce Baudrive. Donc, on ne peut pas permettre aux enfants d'aller jouer sur la plage Premier Pas. Je sais que le corps des chercheurs est mieux placé pour enquêter sur ce genre d'affaires. Je compte sur toi pour tirer au clair cette histoire de Baudrive qui joue avec des enfants. C'est là-bas du coup? Oui, la plage Premier Pas. J'ai pas été Ever par là encore. Des Pokémon ici? Aire d'initiation. Oui, donc ça doit être vers la plage. Ah là, je vois la mer là-bas. S'il y a la mer, c'est qu'il y a la plage. On est d'accord. Oh, une petite cabane au bord de la mer. Ça, trop mignon. Plage Premier Pas. Est-ce qu'on a un Baudrive? Il faut venir de nuit en fait. Je me suis fait baiser, mais ça va, ça a l'air d'être le crépuscule. Je m'en vais, je quitte ce continent. Donnez-moi ce bateau. Je me suis fait ken et je vais devoir attendre la nuit. En plus, il n'y a rien d'autre à faire. Est-ce que je peux pointer la mission? Peut-être. Non. Non, non, non. Fabrique-moi une poupée. Donc ça, champi tout moumou. La page de Krixik, ok. On
peut peut-être aller chercher les autres. Parler à Vigie. Un super bonbon, elle donne, elle. Incroyable. Ah, c'est à l'autre bout du pays, frère. Ouais, le Baudrive, ça va attendre, je crois. Hein. On reviendra de nuit un autre jour. Hein. On va faire. Comment j'ai fait pour faire TP tout à l'heure? Non, c'est pas ça. C'est Y. Bah, je vais aller à la porte principale parce qu'apparemment, c'est juste à côté de la porte principale. Bonjour, madame. Tiens, mes cheveux, ils sont mouillés, du coup, ils sont pas beaux. Ils ondulent. Voilà, c'est pire. J'ai entendu dire que tu avais capturé trois espèces de Pokémon différentes pendant l'épreuve. C'est vrai ça? Mais j'en ai déjà beaucoup plus que ça, Aster. Pour qui tu me prends? Dans ce cas, tu es la personne qu'il me faut. En fait, j'aurais une quête à te conf. Ah, encore ces Quenotors! Qu'ils sont pénibles alors. Voilà, s'il faut que j'éclate des Quenotors, je vais prendre un malin plaisir, moi je te le dis. Je détourne le regard une seconde et ces petits galopins en profitent pour se faufiler dans le village. Soupir, je ne suis même pas fichu de protéger le village des canaries de trois malheureux Pokémon. Je ne mérite pas de faire partie du corps de la défense. Si la chef Belila savait. Bon, calme-toi, Vigie. Rien ne sert de se morfondre. Il suffit de capturer ces trois fripons et tout rentrera dans l'ordre. J'ai laissé mes lunettes où, moi? À la salle de bain. Super. Mais on ne parle pas d'un ni deux, mais de trois Quenotors. Comment vais-je pouvoir les capturer toute seule? Faut que je les capture vraiment? Oui, on va faire ça. On va faire ça, madame. Parce qu'en plus, faut que je les cherche dans le village, les couillons. Genre, c'est comme si on a traqué la Team Rocket, chercher les trois Quenotors qui ont infiltré le village. Où sont-ils, ces petits fripons? Les Quenotors! Où êtes-vous? Regarde-le, lui, comme il est heureux avec son pote, le chenipote, que l'on appelait Jean Charme. Ouah, il y a un hôtel là. Ouah, il y a le symbole d'Arceus. Dame Ulette vend des amulettes aux effets bénéfiques. Remercions ensemble notre statuette gardienne, grande protectrice de notre chère rusticité. Dis-moi, quel est ton souhait? Je te proposerai une amulette apte à la réaliser. Plus d'endurance, un mental d'acier. Un mental d'acier, soyons fous. Bah non, tranquille. Tranquille, tranquille. T'as voulu me la faire à l'envers, ma soeur? Alors. N'hésitez pas à crier si vous voyez un Quenotor sur la map. Du genre là, là. Toi, mais ils sont où ces petits cons? Ah bah non, c'est un arbre. Trop laide. I get trop laide by the arbre. Ils sont un peu nuls ces quêtes secondaires finalement. Je parcours le. Ah, il y en a un. On va trouver une de ces sales bêtes. Attends, non, 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 non. Non, 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 non. Zut, il s'est enfui. Alors, ça ne me plaît pas du tout. Là, je viens de cavaler mes grands morts toute la moitié du bled pour trouver un Quenotor. Et tu vas me faire croire qu'il s'enfuit comme ça? Au premier. Hein? Est-ce que tu peux lancer des bols ici? Oui, apparemment, c'est bon.
Ouais, mais ma soeur, elle est chiante ta quête en fait. Ah, j'en vois un, j'en vois un. Attends, on va le sneak celui-là. Eh, je peux pas le capturer. Non, putain. Tu vas me frapper. Mais attrape-le, wesh. C'est ma faute, hein. Ah mais je suis un connard! Il faut que je sorte un Kenotor devant eux. Vas-y, mais j'en ai pas sur moi et j'en veux pas. Nique sa mère, je retourne à la quête principale. Oui, je veux partir. Non, je veux aller là-bas. Bivouac du plateau. Et je vais repointer la quête principale. Ouais, il est chouette le nouveau bivouac. Ok. Alors, la quête principale, on a dit. Pas du tout. Mission. Principale. The King of the Forest. C'est par où? C'est par là-bas. Mais moi, j'ai commencé par partir un peu dans l'autre sens. Histoire de choper quelques crafts, un peu d'XP. Si vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Peut-être avoir notre premier Pokémon qui évolue aussi. Oublie-moi, oublie-moi. Avec mon joystick cassé là. Boum! Ouais, c'est mon millième étourmi. Ah, il m'a vu. Il m'a vu, mais est-ce que j'ai réussi à l'avoir? Ouais. Vas-y, Lixi. Coup de boule Saras au galet. Ah, un racaillou. Bagarre! Bah non, j'ai dit bagarre. Attends, mais ce racaillou est shiny, non? Ou c'est la. C'est la. La. Le. La. Lila, le. La loup, la loup. Ou c'est le temps qui est en train de. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Non, il n'est pas shiny, je pense pas. C'est juste le soleil qui se couche qui fait cet effet, je pense. Ball. Non, c'est pas comme ça qu'on jette des balls. C'est comme ça. Hop! J'ai vraiment un style incroyable, hein. Hop là, j'ai attrapé un Gracaillou. Ah oh, oui! Trop bien! Du galet noir. Un Krixik. Magnifique spécimen de Krixik. Faire plusieurs choses en même temps. Voilà. On ramasse du noix-grume, on chope du Krixik. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Des Gracaillou. Oh merde. Vas-y, il me saoule ce joystick de merde là. Sneaky Pete sur un Gracaillou. Oh là là, quel boss. Bagarre! Je vais te bagarrer, moi, il y a Racaillou, je te bagarre, moi. Je te démarre, Racaillou, je te démarre! Crogive, il n'y a plus personne. Il y a quoi?
C'est qui le patron ici? Ok. Mon Lixi, c'est le boss ou ça l'est pas? Bientôt, ce sera un beau luxré. On ne pourra pas monter car ce jeu est une arnaque. Il ne tient pas sa promesse. Finalement, je commence à prendre mes aises en termes de déplacement et compagnie. Oh. Vous voyez, juste en dessous, c'est ce qu'on appelle un étourmi sauvage. On va essayer de l'attraper. On n'a pas réussi parce que mon joystick il pue la merde, il est cassé. Attendez, oh mais reviens, reviens putain. C'est envolé. C'est quoi ça? Fragment de fer. J'en avais pas eu encore. On a Krikozik qui nous a aperçu au loin. Oh merde. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Bon, même pour lui, c'est mort. Attrape de la plante pour faire des rappels. On va le contourner. Ouais, lui, il nous a encore plus contourné finalement. Le Krikzik est porté disparu. Les parents du petit Krikzik sont demandés à l'accueil. Un étourmi des hautes herbes. Heureusement qu'il y a une zone de tolérance hein, sur le machin, parce que sinon... Oui, je fais le plein de Pokémon de merde, et alors, il y a quoi? Ça fait partie des quêtes d'en attraper 15 ou je sais pas combien... Bon, va-t'en, sale bête, t'es moche. De la soignon. C'est quoi celle-là? La plante répulsive. Ah, c'est pour faire des repousses, genre. Attendez, on va passer en FC bagarre un peu, parce que... Il n'y a pas que les capturés, il y a aussi les bagarrés, normalement. Bagarre. Ouh, solide. Le critique prend la fuite. Super. Ah ouais, il y a des mustéboués à attraper aussi. Il y a la quête du mec. Morsure. Pas mal. Morsure. Attendez, c'était quoi la technique? C'est tu le verrouilles, tu fais flèche du bas, comme ça t'es sur la truc. Spécimen attrapé 6. Spécimen à faire évoluer. Ouais, super, j'ai super envie de faire ça. Fois où l'espèce a reçu de la nourriture. Ah, tu peux nourrir tes Pokémon? J'ai pas appris à faire ça encore. Spécimen attrapé sans qu'il vous repère. Spécimen attrapé. Ok, 5, 4. 5. Si j'en attrape un, je valide un nouveau palier. Boum. Ah, s'il m'a pas repéré, mon frère. Je lui ai collé la Pokéball sur le frontal. C'est bien, mon Zubat. Zubat que l'on pourrait renommer Zubut. Ce serait rigodrôle, non? Ramasse la plante. Ils sont plutôt bagarres, eux, ou ils sont plutôt... Je peux les sneak tranquille. On va se préparer. Ah putain, je le savais. Ah, je vais être en double. Non, c'est bon, l'autre il m'a pas vu. On est en solo bagarre. Ouais, j'ai qu'à. Ouais, bah voilà, Aquajet. T'es
con ou t'es con t'es con Nicolas en fait. Non, pas du tout. Je veux envoyer non plus. Ah, il faut faire X. Otam pour moi. Eh ben, ah non, bah non. Ah, je veux juste changer de Pokémon en fait, Réro, ça devrait pas être aussi compliqué. Si j'ai un menu où je peux scroll sur le Teco, il faut que je puisse scroll sur le Teco quoi, enfin. Bon, si je fais éclair, je le défonce normalement. On va faire morsure, parce que ce qu'on veut, c'est l'attraper en fait. Ce qu'on veut, c'est l'attraper. Et oui, bien sûr que je veux lancer une Pokéball. Gacha! Ah non, il s'est libéré. Oh. Ouais, c'est pas grave. Je remets ça. Je remets ça et je le mets dedans. Voilà. Mustébué, capturé. Gacha. Ouf. Pas très efficace tout ça. Il y a un truc, faut que je le vois faire Aqua Jet un certain nombre de fois aussi. Bah bien sûr mon gars, heureusement que tu te fais one shot. Tu veux quoi? Les Pokémon sauvages qui drop des items, c'est vraiment cool aussi. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Oh, météore. Oh putain, Lixi. Lixi, t'as pris la bite, mon frère. Bonita, c'est chaud. Ah, en fait, tous mes Pokémon, c'est chaud, là. Allez, Beaudrive. C'est à toi de briller. Capacité. Choc mental. J'ai pas appris vent mauvais encore. Eh ouais. Eh ouais, mon gars. Dans ta face. À toi la migraine, mon poteau. On va retourner au campement un peu, je crois. Eh, hey, mon Lixi, il est niveau 15. C'était pas le niveau d'évolution? Oh, un abra! Oh non, ouais, bah ouais frérot, attraper un abra c'est une galère, non? Comment tu veux que... Parce que là j'ai même pas eu le temps de penser à me sneak qu'il était déjà parti le mec. Ça c'est un étourvol, on est d'accord hein. Oh là là, oh là là. Oh le joystick, tu fais quoi frérot? Est-ce que ça va passer? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut le bagarrer? Aïe. Eh oh. Eh oh. Ouais, je préfère. Oula. Adieu. Adieu, Ponita. Étourvol est blessé par le contre-coup. Est-ce qu'on tente quelque chose? Parce que là, clairement, il va tout moins de shot. Hein. Hey, mon grand! C'est ton heure! J'aurais dû faire hypnose, je suis débile. Lame d'air. Il n'y a plus de. Oh, évite l'attaque, trop bien. Ah, c'est ta chance. Si on réussit à lui passer hypnose, oh là, évite l'attaque, ça, on en était sûr, mais bon, tranquille. Ah, il est passé en style rapide. Oula, 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 du calme. Bon, ben, on va vous laisser, hein, monsieur les tourvols. Ça avait l'air de bien se passer pour vous.
le droit de retenter une hypnose du coup. Hypnose. Évite l'attaque. Youpi, hein. Bah vas-y, fais Damoclès, comme ça tu te blesses. Je suis pas sûr de pouvoir l'attraper, même midlife. Hein. Mais bon. Qui ne tente rien, ne plante pas sa tente dans le jardin. Ah, bah écoute. Ce qu'on va faire, c'est fuite. Oui. Hop. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah bah il y avait un abra encore. Ouais, je suis encore sous le sneak de l'étourvol, moi, du coup. J'ai peur qu'il veuille me bagarrer loin et longtemps. Non, c'est bon, il ne veut plus me bagarrer. Abra ! Abra, t'es où ? Abra, fais pas le con, reviens. Je vais crafter des... Non, pas du tout ça. Pas du tout ça non plus. Pas du tout ça non plus. Pas très ergonomique tous ces boutons. Hein. Sac, objet rare, confectionné. Quelques rappels. Oui, 5 rappels, c'est bien. Confectionné. 3 bouts de bois. Mais où trouve-t-on le bois? Ah, je peux faire 2 potions max, triste. Et les mass balls, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Laisse créer 5 mass balls. Ah si, c'est juste parce qu'elles sont toutes noires, j'ai l'impression qu'elles étaient grisées. Putain, je suis débile des fois quand même. Hop. Ben voilà, on est bien là. Ah, regardez, l'Ixie peut évoluer. Faire évoluer, bien sûr qu'on veut faire évoluer l'Ixie. Ah, mon premier Pokémon évolué. Trop cool. On va faire un update des... On va faire un update des Pokéball. Poképédia. Luxio. Non, c'est pas sur Poképédia que j'ai été. Poké quelque chose. Je sais plus, franchement. C'est sur quel site que j'étais pour. Je sais plus, moi. On va retrouver. Luxio PNG. Ah, apparemment, il y a une voiture qui s'appelle Luxio. De chez Daihatsu. Voilà, comme ça on a appris, enfin moi j'ai appris un truc personnellement. Alors j'aurais Luxio PNG et 3D. C'est pas possible. Normalement si. Alors attends, mais si j'ai le Shiny, là il doit venir du même site. Si pourtant Poképédia. Oh, l'alcool et moi ça fait deux. Hein. Artwork. Voilà. Ouais, mais est-ce que je peux les enregistrer ceux-là? Si je peux enregistrer ceux-là, c'est de la puff. Enregistrer l'image sous. Ouais, vas-y, mets-les là. Nouveau. Ok. Bim. Bam, boum. Si je peux mettre les petits animés, c'est trop stylé. Et je crois que ça a l'air d'être le cas. Ah, par contre, il est genre pas du tout animé finalement. Mais c'est stylé. Ah si, il est animé. Il a sa petite queue qui bouge pas du tout. C'est le curseur derrière. Je suis un gros con, finalement. Bon, c'est pas grave. Ok. Il y en a plein, en fait. En fait, c'est celui-là qu'il faut que je mette parce qu'il est plus, HD que celui-là qui est moche. Celui-là est moche. On va mettre le plus HD. Voilà. Il est plus beau. Et en plus, il ressemble plus à celui qu'on a. Vraiment. Et on va compléter la team. Avec Audrey. Audrey. Je sais pas comment je l'écris.
sais pas comment ça s'écrit. C'est BAU. Baudrive. Baudrive. Et Jaudrive. Hop. Un petit Baudrive. Un petit racaillou. Racaillou. Un petit racaillou. Enregistré sous. Tac, tac, tac. Et le dernier, c'est Nosferapti. Ouah, je vais me taper, je sais pas écrire. Mais non, Nosferalto, Nosferapti, c'est écrit pareil. Ok. Apparemment, oui, c'est écrit pareil, mais le jeu était bourré. Le jeu était bourré. J'ai presque envie de le jouer en principe. Je prends des Nosferapti en début de game et puis après je les tège, mais j'ai presque envie de le jouer jusqu'au Nostanfer celui-là. Parce que je le fais genre quasiment jamais. Ça nous donnera l'occasion d'étudier la technique du bonheur dans ce jeu. Alors, Baudrive. Tac. Tac. Petit ballon. Petit ballon. Gracaillou. Ne demande pas de donner de surnom Pokémon par contre. Ça, ça me fait pas beaucoup rigodroler. On n'est pas encore assez intime avec ces bêtes là. Voilà, on a la team. La team au grand complet. Et maintenant, eh ben, on va aller se soigner vers le patron là-bas. On va faire un tour sur les capacités aussi. La mèche roulade vive attaque. On est bien. Est-ce qu'on peut descendre comme... Ah, croc éclair. Et croc éclair ou éclair. Alors, est-ce que niveau stat, on est sur de l'attaque ou de l'attaque spé? On est sur de l'attaque. Donc, vaut mieux croc éclair que éclair finalement. On est d'accord. Tac. Let's go. Croc gif, croc éclair, morsure. On fait un move cool sympa quand même. Hein. Et vive attaque pour dépasser, mais bon, c'est pas. Voilà. J'ai pas du tout validé, je me suis encore fait ken. Frappez-moi quand c'est comme ça, dites-le aussi. Oui. 1, 2, 3, tada, Luxio a oublié cette capacité. Et Luxio apprend. Comment ça, il a oublié? Il peut plus utiliser éclair du tout? Bah si. On voit bien que vous puez la caniche ou coup double. Et à partir de cet écran là, tu peux pas changer de Pokémon à partir de cet écran? C'est nul. Ouais, bof. Baudrive. Étonnement. Et oui, après on va en mauvais s'il te plaît. Boum. Oui. Et gros caillou. Gros caillou. Les pièges de roc. En vrai, je devrais tout le temps ouvrir avec gros caillou, quoi. Parce que piétisol, piège de roc. On va prendre piétisol à la place de coup de boue, mon frère. Hein, je t'en veux pas, mais. Coup de boue, c'est de la merde. Coup de boue, c'est de la merde. Et il apprend piège de roc. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je veux retourner. Au campement, bivouac des plateaux, s'il vous plaît. J'ai presque envie de retourner chercher du craft encore. De refaire exactement ce que je viens de faire. Aller farmer comme un sale. Et c'est exactement ce que je vais faire. Sauf que sous ce coup-ci, je pars de l'autre côté. Tiens, ramasse les trucs. Oh, il y a des serfrousses. On va retourner chercher les serfrousses. On n'a pas pu avoir... Est-ce que je le bastonne direct ou... Ouais, je vais le bastonner direct. Hein. Il vient de battre serfrousses.
Serfou, c'est sur ses gardes. Yes. Un vrai kiff. Oui, il y a des Pokémon qui doivent être super chiants à avoir si c'est farouche comme ça. Là, le Abra, ça a l'air chaud de chez chaud. Chaud de chez chaud. Cacao. Ah, il y a un racaillou dans les galets. Ou sous les galets. Yes. C'était sûr. Alors par contre, c'est pas que je t'aime pas, mais... il manque un Pokémon avec une attaque flotte, là. On remarque le Luxio. Et son petit Crogivre vont faire le café, normalement. Comme on dit dans le milieu. Il fait quoi, lui? Pourquoi il s'en va? Reste là, tu vas mourir. Boum. Et c'est le décès de la part du racaillou. Qui veut se bastonner? Ah merde. Ouah, ouais, ça va. C'est parti dans tous les sens. Ah, il y en a deux. Je vais être double fight. Non. Non, ça va, ça a pas l'air. Flamèche. Magnifique. Wunderbart. Tiens, mais j'ai déjà fini ce verre, moi. J'achète une gourde un peu plus grosse. On n'a pas eu de Serfrous, du coup. Après, ça va, pour trouver les zones, ils sont toujours au même endroit, les mecs, quoi. Attends, je voulais les autres. Je voulais tester les autres. Elle marche mieux quand tu sneaks, c'est ça? Et là, je sneak pas parce qu'il m'a vu. Ok, j'ai un très gros problème d'appréciation des distances, apparemment. Ah! Ah merde, le con. Il a farmé les crafts au lieu de vouloir faire la bagarre. Ouais, venez vous battre, ouais. Ouais, je suis videur, je vous défonce, moi. Si j'avais fait coup double, ça tapait les deux ou pas? Hypnose. J'aime beaucoup la nouvelle hypnose, par contre. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau, ce Ponyta. J'aimerais pouvoir grimper sur son dos. Mais apparemment, ce n'est pas possible. Et boum. Ah merde, il somnolait, le con. Ah, quel plaisir. Je découvre la nature. Eh, je voudrais essayer un sneak réussi à la masse ball. Ah, ah, mais ça y est, je suis plus sneak. Je suis trop un bourrin aussi. Mais frérot, sérieusement? Donc je la jette dans le dos comme ça là? Voilà, apparemment c'est ça. Collé au bonhomme, quoi. Ah, encore un Serfrous. Est-ce que je peux retenter ma chance? Oui, je m'avance parce que je me concentre. Et j'ai chié dans la colle. Vas-y, dégage, Nosferapti, là, tu contrecarres mes plans. Zuppi. En plus, tu me vises mal avec ta tornade de merde. Viens, toi, je te bagarre, toi. Ah! Il ne s'est pas enfoui. Par contre, il me déboîte ma race. Roulade. Mais non, pas du tout roulade que je fais en fait. Je fais piétisol. Donc voilà.
Et vas-y, ok, hein? Ok? Les Serfrous, vous êtes pas mes copains. Je vous aime pas. Je vous aime pas, je vous attrape plus. Tidoudou. C'est un peu tout le temps les mêmes Pokémon, hein, finalement. Petit Lixi, tu vas mourir. On dirait bien que ça n'a aucun effet sur Rakaillou. Piétisol, on dirait bien que Lixi est décédé. Oh, il m'a donné une baie cerise. Oh, mais les Nosferapti, ils te captent de si loin. Eh, vas-y, nique ta mère, toi. En fait, ils sont aussi chiants que dans les caves sur les jeux standards. Finalement. Vas-y, pourquoi? Ah bon, d'accord, donc piège de roc, ça fait ça. C'est nouveau. C'est nouveau, on en apprend tous les jours, finalement. Bon, je pense que j'ai assez fermé les crafts, j'ai pris un peu d'XP. Je devrais pouvoir partir en quête de la quête. Ah, attends, il y a un Pokémon dans un arbre. Un Chunity. Again. Je me demande si ça peut vraiment bien être autre chose qu'un Chunity, mais... C'est quoi triangle? C'est over efficace de chez over efficace? Non, c'est pas... C'est efficace tout court. J'ai crit. Bon, piège de roc, ça fait mal, hein. Complètement broken. J'ai vu un Serfrous là-haut. J'ai pas envie d'abandonner. Oh, il y en a plein. Je prends à contre-pied. Bam. Yes, j'ai complètement raté. Il était pas sneak. Oh putain, mais chier. Ma petite sœur. Ma petite sœur. Oui. Ah, il était sneak celui-là, du coup j'ai plus de chance. Yes! Trop cool! Un Pokémon de plus dans ma collecte. C'est quoi qui brille là-bas au loin? J'y vais, hein. Ça m'intrigue. Je cours. C'est un caillou. C'est un caillou, mais il brille. Et pousse-toi, étourmi, là. C'est moi ou il n'y a plus de musique? Il y a un campement du plateau là. Ah, c'est parce qu'il y a de la poussière étoile. Bah nickel, moi je voulais revenir là donc c'est parfait. Bonjour. Je veux me reposer. Je veux dormir jusqu'au matin. Tin tin tic tin. Du son. Ah oui, bien sûr que je veux continuer de... J'ai entendu dire que certains Pokémon ne sortent que la nuit. Non, c'est vrai. J'en ai combien? 9. De toute façon, je peux en faire que 2. Oh, j'ai plus de Noagrumes. Pas grave. Je vais à ma quête. Étourmi du matin. Ah, c'était ma dernière masse ball. Étourmi du matin, ne fais pas le tapin. Ah, j'ai fait 25 tâches, mine de rien. Attends, mais moi, je vais aller récolter le fruit de mes efforts vers le professeur d'abord. Avant d'aller plus loin. Hi Sensei. Oui, je veux faire mon rapport.
2500 de récompense, yes. Fais péter les étoiles, fais de moi un dresseur chevronné. Voilà, Gracaillou, voilà. 380 points, 400 points, 780 points, y'a quoi? Quel résultat époustouflant, voilà qui mérite une promotion au rang supérieur. N'oublie pas de faire part de tes exploits à Selena, notre chef de corps. Que veux-tu faire maintenant? Ah non, attends, ça c'est la voix de Philippe Manœuvre, c'est pas lui qui a cette voix-là. Ah oui, j'avais fait un accent marseillais, si je dis pas de conneries. Que veux-tu faire maintenant? Je vais continuer les recherches. Parce que finalement, on n'a pas fait la quête. Cet épisode-là sera peut-être un petit peu plus long parce que je tiens à faire la quête. Avant qu'on arrête pour ce soir. Je peux sauter? Oui. Est-ce que je meurs? Ah oui, un petit peu. Mais pff, frappez-moi, mais frappez-moi, sérieusement. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, étourvol? Tu veux la bagarre? Ah, ça, c'est un étourvol qui est capturable. Je le one-shot, je pense. Mais bon. C'est pas grave, hein, on en croisera d'autres, c'est pas le seul, je pense. Je ne pense pas que ce soit le seul étourvol de... du game. Regarde, il y a la petite sœur, là, déjà. Bah, nickel, il m'a bien dodge, ce fils de pute. Et il cherche l'emboucane, le gazier. S'il cherche l'emboucane, il va la trouver. Oh, il m'observe, comme c'est mignon. Moi aussi, je vais l'observer, regarde. Un grand coup de vive-attaque dans sa gueule. Boum. Et je te dépasse en plus, du coup, je peux te double-attaquer ta face. Ce n'est pas très efficace, aéropiqué. Oh bah alors, comme c'est dommage. Alors que je trouve des arbres avec des noix agrumes. Parce que j'ai plus tellement de bol sur moi. N'empêche que... Moi, je veux pas dire, mais... l'humanité a régressé sur la fabrication de Pokéball. Hein. Parce qu'avant, t'allais voir Fargas. Ouah, il y a un Parasect. Ah ouais, non, mais... C'est un baron, ou je sais pas comment ils appellent. Ouais, du coup, je disais, l'humanité a régressé sur la fabrication de Pokéball, parce que... Dans Or Argent, tu vas voir Fargas et le mec qui te met la journée pour te faire une bolle avec un noix grume que t'as filé dans la journée avant. Là, avec un galet et un noix grume, tu craftes les Pokéballs de manière instantanée et par paquet de 10. Même plus. C'est quand même une belle arnaque, on va pas se mentir. Sec là, mais on peut pas le choper lui, il est 40 et quelques, il va nous défoncer, c'est comme le ronflex de tout à l'heure. Attends, putain, mais ils cherchent tous la bagarre les mecs aussi. Tiens, tu veux de la violence, je vais t'en donner. Gros givré ta face là, voilà. T'es content d'avoir fait le déplacement, fils de pute? Colossal fils de chienne. Des cric-zic. Wow. Il y a de l'eau ici. Les Pokémon récolteurs de craft, ça régale, hein? Ça régale vraiment. Après, ça XP, donc c'est vraiment cool.
Oh, un Pikachu. Vise le Pikachu. Oui, bats-toi. Bats-toi, Pikachu. Je veux t'attraper, c'est un femelle. Il est niveau 9. Et il a défoncé Lucio. Est-ce que je devrais pas mettre un Pokémon un peu moins patate? Genre un truc... Ouais, niveau 15, niveau 16, super. Très bon. En fait, j'ai que des Pokémon qui sont patates. On va tenter la Pokéball. Oh oui! Pigabi! Pigabi va! Putain, c'est pas des noix de gomme, ça c'est des béorans. Moi j'ai envie de plonger sa mère. Après tu te noies si tu plonges. Parce que tu n'es qu'une merde qui ne sait pas nager. Cette capture compte comme une capture sneak, je me tire une balle. Ça n'a pas compté comme une capture sneak. Et c'est pas plus mal parce que sinon c'était pas trop legit quoi. J'ai un étourvol à découper là-bas. Non. Sois pas débile. Ouais, y a un étouraptor dans le ciel, vous l'avez vu? Aïe, c'est faux, pas aïe du tout. Par contre, lui va dire aïe, je pense. Le stab sur le physique, plus la faiblesse. Normalement, ça fait pas bon ménage dans sa face. Bon, attendez, j'ai vu un étouraptor là. Ouah, il y a un étouraptor qui vole. Je vais te lancer une Pokéball. Et la capture. Et voilà. Et j'ai fin du game. Donc faut que je descende tout en bas sur la plage pour remonter tout en face. Hé, hey, Touraptor! Nique ta mère! Enfin, je crois pas sûr qu'on puisse l'attraper. À moins qu'il y ait une technique plus tard pour aller l'aggro. Là, pour le moment, ça me paraît un peu compromis. C'est des noirs grumes, ça. Hop. Donne des noirs grumes. Et l'autre en face, ce serait pas des noirs grumes des fois? Ah, les pentes sont compliquées pour notre ami. Hein. Et si? Hop, on veut les noix grumes. On aime bien. On va sneak le Krixik. Ah putain, il m'a vu. Vas-y, dégage. Sneakise-toi. Ah mais non, mais putain, mon joystick il est pas pété, c'est que j'ai genre l'hypermètre qui fonctionne. Ça doit se désactiver ça. Non. Ah, c'était une bonne capture sneak. Les options s'il vous plaît. Putain, j'ai l'air d'un con, depuis tout à l'heure je dis que ma truc elle marche pas alors que c'est moi qui suis nul en fait. Caméra, bouton ZR en combat, nanana, désactivé, plage dynamique, réduite, large, on s'en fout, c'est pas du tout ce que je veux. Caméra normale, sensibilité caméra, sensibilité de capteur. Capteur de mouvement, bah zéro quoi, je veux pas de capteur de mouvement en fait. Why? Après, que là j'étais en mode je suis un con et peut-être que c'est rigolo. Oh, il y a un paras. Oh, je veux sneak le paras. Oh oui, c'est tellement plus facile à viser quand ça bouge pas. Oh, quelle merde fais-je. Il est devant mon nez, je ne peux pas le rater. Et un nouveau Pokémon. Un, on n'est pas le meilleur dresseur nous des fois. Plein de petits paras. Non, pas du tout. On veut nos Pokémon. On veut faire ramasser des baies à Luxio.
et une nouvelle plante que je ne connais pas. Ah, elle se ramasse pas apparemment. Bah si. Forti champi, j'ai pas assez de place dans ma sacoche. Attends, qu'est-ce qui vient de m'arroser de flammes là? C'est les paras qui veulent se bagarrer là? Ah ouais! Ils sont agressifs comme ça! Cherche la merde mon frérot! Ouais, observez-moi, ouais. Attendez, attendez, on va swap de poké. Efficace, efficace, super efficace, super efficace. Allez, hop. Un petit coup de gras caillou dans les dents. Ça va moins faire les marionnettes. Béga. Et hop, un petit coup de gras caillou empoisonné. Piège de roc. Il n'y a plus personne. On passe à la petite sœur. Et voilà, comment on se débarrasse de Paras. Je suis désolé, j'ai rien dit, c'est parce que j'ai écouté les samples de la musique qui était stylée. Oh là là, je suis vraiment pas doué avec les touches. Sac. Ah oui, effectivement, je suis un peu blindax. Si je craft... enfin, au moins deux potions en fait. Voilà. J'ai plus de soignons et du coup j'ai de la place. J'ai presque plus de bol. Alors faut que j'en refasse un petit peu. Mais je veux bien le nouveau craft. Forti champi. Je suis en train de m'éloigner de mon objectif, non? Non, le ponton il est là. Le ponton il est là. Donc les paras cherchent la bagarre. Je pensais que les paras ce serait genre un peu plus gentillé quoi. Est-ce que c'est un castorno? Il y a un castorno déjà là? Est-ce que tu penses que je peux le sneak? Ah c'est trop loin. Tentons hein. Et ben voilà. On n'est pas des mecs comme ça, non. On sneak les Pokémon tant bien que mal. C'est où que ça traverse? C'est là? C'est là. Ouais, il y a un castorno gros et balèze. À mon avis, faut pas trop lui chercher la merde à celui-là. Va loin, va loin. C'est quoi ça? C'est un craft? Oui, c'est un craft. Oh merde. C'est des noix de grume, mais c'est encore un Shoniti. Ah non, un Apitrini. Trop bien. Encore un nouveau Pokémon à ajouter à ma collection. Ce sera le titre de cette VOD. Hein. Ce sera plein de nouveaux Pokémon. Clairement. Clairement, on peut pas mettre un autre titre, quoi. Et je fatigue, les copains. Je sais pas si on va pas s'arrêter devant l'âge sécateur. Parce que le faire, ça veut dire... ça veut dire taper toute la suite de request et tout. Ouais, attends. Oh, oh, Psyduck. 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 À moi le Psyduck. Quoi? 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 À moi le Psyduck. Oh, comment je vais OTP la quoi-quoique là? Morsure. Ah merde, j'ai plus de PV. Attends, c'est pas grave.
Désolé, Luxio. Non, 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 non. Attends, si je peux y retourner, je peux y retourner. Viens, 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 viens. Bats-toi, fils d'up. Oh, j'ai failli faire de la merde là. Ouais, vas-y, j'ai mis un Ponyta contre un Pokémono, j'en ai rien à foutre. C'est juste pour relancer le combat. Vas-y, Nosferapti, on s'en fout. Tout ce que je veux, c'est faire ça en fait. Merci pour le soutien, l'Antonion. Un Lapouret! Non, mais c'est clairement le titre de la VOD de cet épisode, c'est plein de nouveaux Pokémon. Ah bah lui, il est farouche. Eh oui, on a capturé un Sneak. On a capturé un Sneak. Non, 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 je veux un Pokémon en fait. Je veux un Pokémon. Oh, est-ce que tu vois le Papinox au loin? Est-ce que tu vois qu'on va chercher le Papinox au loin? Ouais, je me soigne un peu aussi. Est-ce qu'on peut l'approcher furtivement de manière à lui sneaker sa mère? Ah, oh, le bâtard, il tourne en même temps que moi. Ah non, bon, bah lui. Ah ouais, mais attends. J'ai peur que ce soit un boss. J'ai peur que ce soit un boss et qu'il soit niveau 40. Ah non, niveau 15. Et c'est pas un boss. Mur de fer. Bah vas-y, fais mur de fer. Ça me pose pas de soucis. Hypnose. Mais non, ça va jamais marcher sur ce Pokémon, je suis débile. Ah si. Ça va. Double le mur de fer, vas-y, tranquille. Pas de problème. Tornade. Ce n'est pas très efficace. Ouais, ça marche bien quand même. Hein. Pour dire qu'il a double mur de fer. Oh les mecs, un jour je serai le meilleur dresseur. Hein. Je te le dis. Et ben voilà, ça fait qu'un de plus en moins. Alors je sais pas si t'es arrivé. Ah, mais il y a plein de psychoquacks en fait finalement. Psychoquack is the new Knotor. Je sais pas si t'es arrivé en taux, mais Ah, c'est un sécateur. Ah non, ça c'est un vrai sécateur, ça. C'est pas l'âge sécateur, c'est un vrai sécateur. Il est trop stylé. Il est vraiment trop stylé. Ils sont vraiment trop stylés. Oh là là, je nid. Mais où est-ce que je traverse la flotte là? Voir longer la rivière. Je viens juste d'arriver. Ouais, du coup, je disais, j'ai réussi à résoudre mon problème de joystick qui n'est pas du tout cassé suite à la chute de l'autre fois. Mais qui, en fait, avait le. De base, t'as le. L'hypermètre d'activer. Et du coup, tu peux viser les Pokéballs en comme ça. Tu peux viser les Pokéballs en comme ça. Et du coup, je me suis senti con quand j'ai capté. Oh, ça fait pas longtemps, ça fait. Bon, si, en fait, ça fait longtemps, ça fait 1 h 15. Mais ça va. Boum. On va faire une petite pause soin. Oh, Hérissande peut évoluer. Hérissande peut évoluer. Hérissande, Hérissande. Eh oui, faire évoluer, il y a quoi? Ne pas intervenir. Quoi? Hérissandre évolue. Hérissandre évolue en Ferrisson. Incroyable. BJ. On a des nouveaux moves. Roue de feu. Mais ça, c'est bien ça. Ça tape en quoi ça? Ça tape en spé? Non, ça tape en physique. Donc on s'en fout. Ah non, ça tape en spé. T'as des grosses stats déjà. Ça tape en spé et roue de feu, ça tape en physique. Donc nul. Donc Flamèche, c'est mieux. D'ailleurs, j'ai que Flamèche d'intéressant.
Objet. Des rappels. Utiliser. Viens là. Viens là. Ok. Des potions. Utiliser. Viens là. Viens là. Je suis pas habitué d'avoir les barres de PV là en colonne sur la droite. J'ai toujours l'impression que du coup, vu qu'elles quand elles sont basses, qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors qu'en fait, tout va bien. Ok. On va aller chercher un blindalice là. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Ça se first shot comme papa dans maman. Ouais, il y a un Pokémon qui m'agresse. Ah, c'est que je l'ai pas attrapé. Ah. Ouais. Plus résistant qu'il n'y paraît, la bête. Morsure. Stylé l'animation. Faut que je recrave des Pokéballs. Je n'en ai presque plus. Et ben voilà. Donc j'ai Chenipote, Blindalice et Papinox sans jamais avoir joué le Pokémon. C'est beau jeu. Je vais pas pouvoir ramasser parce que j'ai plus de place dans le sac. Mais je sais pas ce que c'est, les trucs dans cet arbre. Un nouvel Apitrini. Du coup, j'ai crafté un arbre, ça m'a pas dit ce que c'était et je sais pas ce que c'est. Hop! On a l'air d'être sur la route pour l'insécateur. Hein. Ah oui, puis ça s'appelle une arène en plus. C'est bien, ça cultive le passé du lore Pokémon, j'aime bien, c'est stylé. Salut, gamin ou gamine? Moi, c'est Elian, du cercle Perle. Je suis le gardien qui s'occupe du H-Sécateur. Ne dis rien, je sais tout. Tu es venu rencontrer H-Sécateur, c'est ça? Oui, évidemment. Ça ne fait aucun doute. Ok, je comprends. H-Sécateur, c'est un Pokémon trop puissant et formidable. Et maintenant, il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable. Mais désolé, tu vas pas pouvoir le rencontrer. Pourquoi? C'est pas compliqué, il est tout simplement trop fort pour toi. À mon avis, l'éclair qu'il a touché l'autre jour venait du Grand Sinnoh. Oui, c'est sûr, c'est lui qui lui a prêté de la force. Allez, s'il te plaît! Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour H-Sécateur, et ça me parle. Mais tu vois, la passion n'est pas vraiment le problème là. En fait, Nashara m'a fermement défendu de laisser quiconque approcher de H-Sécateur. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçu. Cela dit, n'insiste pas, sinon, mon cher Mucuscule et moi te renverrons d'où tu viens. Parfait, je vais te défoncer. J'essaie de te protéger et tu refuses quand même de te retirer. Tu as le don de m'agacer. Tant pis, tu l'auras cherché. Mucuscule, réduis-le en bouillie. Frère, tu joues Mucuscule. À quel moment ça m'impressionne ça? Ça, je sors ça de mon nez tous les matins, frérot. Y a absolument. Mais merde, je laisse même le Nosferapti, quoi. Le comble de l'humiliation. Voilà, ça c'est impressionnant ça. Hein. Les combats de dresseurs, c'est pas le fort de ce jeu pour le moment. Espérons qu'à un moment il y aura un truc un peu plus vénère hein, en termes de combats de dresseurs. Mais là voilà, là c'était de l'humiliation là. J'ai même pas joué un Pokémon qui me faisait plaisir. Oh, comment c'est possible? D'accord, j'ai perdu, c'est vrai, je le reconnais, mais mon avertissement tient toujours. Tu ne peux pas rencontrer un Shaker, il est beaucoup trop dangereux. Si tu t'approches, tu vas finir couvert de bleu. D'habitude, je lui offre deux de ses aliments favoris, il prend plaisir à les manger et ça le calme. Malheureusement, il est si enragé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Alors tu comprends bien qu'un étranger comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. On raconte que le Grand Sinnoh a donné aux ancêtres de H-Sécateur
de Cyberlin et des autres la force de protéger les êtres humains et les Pokémon de cette région. C'est grâce à cette bénédiction aux faveurs du Grand Sinnoh que le Cercle Perle a pu vivre ici. Nashara ! Mais Ashekator, en gagnant encore en force, est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'éclair qu'il a frappé provient du faux Sinnoh, celui du clan Diamant. Ashekator est un Pokémon important pour le clan Perle, et c'est à nous d'accomplir cette mission, pas un étranger. Mais désormais, la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si d'autres Pokémon ou d'autres habitants de la région étaient blessés, nos relations avec le clan Diamant et le groupe Galaxy risqueraient de s'envenimer. J'adore la voix que j'ai choisie pour ce personnage. Toi, t'es tombé du ciel. Tu fais partie du groupe Galaxy, non? Alors tu peux nous aider. Je vais essayer. J'adore mon costume, il est trop classe. Entendu, avec Elian, on va préparer les aliments préférés de Ashekator. Toi, traverse tout ici s'il le faut, mais essaye de trouver un moyen de résoudre ce problème. Oui, madame. Le Smarceus réagit. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre à un bivouac en un instant. Mais je savais, j'ai déjà utilisé. Lorsque vous consultez la carte, votre Smarceus, appuyez sur le bouton X pour effectuer un déplacement rapide vers un bivouac ou un autre emplacement. Il peut arriver que cette fonctionnalité soit inutilisable dans certaines circonstances. Faudrait que j'apprenne à faire la voix du Pokédex du dessin animé. Non, alors, mes grands dadés, calmez-vous, parce que moi j'ai vu qu'il y a des insécateurs là-bas. Donc, le but de ma vie, c'est désormais d'en capturer un, en fait. Je vous explique. Fais-moi quelques boules. J'étais en rad. Ça m'étonnerait que je le fasse shot par derrière. Mais bon, on va se tenir prêt. Oh le bâtard. Vas-y, viens te battre. FC bagarre. J'ai peur de l'éclater avec le piège de roc, mais c'est pas grave, il y en a d'autres. Ah, nickel. Attrape-le! Ouais! Une bonne soirée. Je me sens plein de nouveaux Pokémon. Et c'est pas qu'une impression. Donc c'est là que je vais le rencontrer, hein, parce que ça, on se les fait spoiled par la bande-annonce. Le grand Ashekator. Mais encore, c'est bien parce que. Je pensais qu'il spoilait un gros truc et en fait non, c'est vraiment le début de l'histoire, donc ça fait quand même kiffer. Bon, retour au campement. Bah finalement, je pensais qu'on allait l'affronter tout de suite, mais en fait non, donc je vais pouvoir aller me chez coup, comme on dit dans le milieu. X, je vais aller au bivouac du plateau. Sensei. Comment progresse tes recherches sur Ashekator? Bah ça va. Ouh, je vois. Il devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori. Retournons au laboratoire. Ah merde, j'ai pas fait l'accent. Retournons au laboratoire pour réfléchir à tout ça. Je t'y attends, Oxyde. Bah écoute, nickel, il faut rentrer au village, donc ça fait deux pierres d'un coup. Tout va bien. On reprendra au calme demain matin. Après une bonne nuit de sommeil, les basses se sont arrêtées et je vais pouvoir récupérer dans les meilleures conditions. Wouh, 4900 Pokédollars, j'ai été performant. Bon, j'ai dit que j'avais attrapé beaucoup de Pokémon. Pokémon attrapé 13, espèces différentes attrapées 11, Pokémon attrapé pour la première fois 10. Là, je viens de me ralasser, on va pas se mentir. Alors, on a chopé.
Pikachu, Vaporeye, Psychoquack, Apitrini, un sécateur, Blindalis, Papinox. Ça fait pas 10 ça. Ah, tant que j'ai pas passé de rank, les points que je fais en plus ils comptent pas. Ah, c'est dommage, c'est un peu du gâchis ça. Mais c'est pas grave. Ah merde, cinématique. Bon, voici ce que je conclue, les informations que tu as pu recueillir auprès du clan Perle. Il serait possible de calmer Hécateur en lui donnant ses deux aliments favoris. Peut-être que les composantes du parfum obtenu combinées à ces deux ingrédients dégageraient un pouvoir apaisant. Mais d'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement n'a pas pu l'approcher. Donnez-moi un peu le temps de réfléchir. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers. Mais ça, c'est pas tes dossiers, c'est le tableau où on prend les quêtes secondaires, frérot. Ah oui, mais on attend qu'ils réfléchissent quand même, carrément. Oh, il a un flash. J'ai trouvé la conne de toi. Il faut lui lancer les aliments. Ah, d'accord. Et grâce à ton talent, Oxide, tu le lances comme personne. Tu devrais parvenir à le faire sans problème. Mais oui, bien sûr. Nous pourrions utiliser la technologie nous permettant de fabriquer les Pokéballs pour créer une boule à partir de deux aliments et les favoris du Hécateur. Elle aurait le même effet apaisant et pourrait l'appeler la boule relaxante. Mais pourquoi pas plutôt l'appeler la boule lavande en honneur de son inventeur? Oh non, avec un homme pareil, on dirait que c'est moi qu'on lance sur les Pokémon. À ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer les deux ingrédients. Peroxide, retourne à l'arène du grand arbre prévenir le clan Perle. Pour autant, à l'arène du grand arbre, tu peux tout d'abord aller au bivouac du plateau. Ok frérot, je sais. Mais je vais aller voir Selene pour passer mon rank up déjà. Voilà. Selena. J'ai vu mon premier Abra en taux et genre, pour le choper, ça doit être un enfer. Parce que Abra quoi, il se barre, mais à peine t'as eu le temps de le voir, il se barre. Si t'es pas déjà en train de sneak au moment où il spawn, je pense que tu es baisé. Si tu es pas déjà accroupi. Nos recherches seraient compromises si tu venais à être blessé. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et je ne veux probablement pas perdre le gîte et le couvert que l'on t'a... Et tu ne veux probablement pas perdre le gîte et le couvert qu'on t'a fourni. Je vais regarder ton purifié Dex et vérifier son contenu. Vas-y, fais-toi plaisir, ma petite. Parce que là j'ai été bon, là. Togepi, on n'a pas, mais on s'en fout. Que nos torts, ça progresse. J'ai pas tapé tant de que nos torts que ça. J'ai tapé de l'étourmi, par contre. Fois où il a utilisé V-Rectac, fois où l'espèce a utilisé morsure. Ah, faut que je fasse plus. Encore des morsures. Mustéboué, on a chopé. Là, j'ai des quêtes que je vais pouvoir rendre aussi, là. On flex, on l'a juste vu. Pikachu attrapé. Krixix, ça avance. Ah, attends, après, du coup, il me reste spécimen vaincu. Faut où l'espèce a reçu de la nourriture. Ça, je sais pas comment on fait, faudra que je regarde. Il faut compléter la page, là. Il va falloir faire un Mélocric. Baudry, ok. Ah, j'ai chopé Serfrous aussi. Chopé Tourvol aussi. Chopé Paras aussi. Chopé Castorno aussi. Non, on s'est mis bien quand même. C'était le jour de la soirée du Khalas. Je reconnais tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Et pas qu'un peu, mon pote. Je suis un chercheur 2 étoiles. Tu es désormais un membre 2 étoiles du groupe Galaxy. Félicitations. Je peux désormais utiliser des plumes bols. De plus, les Pokémon jusqu'au 30, niveau 30 m'obéiront. Vous recevrez également des récompenses quand vous ferez des rapports de recherche. Prends ceci. Ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets. Bah, les plumes bols, je suppose. Méthode acquise pour confectionner des plumes bols. Confectionner les super potions. Cool. Tu seras promenu lorsque le Pokédex sera suffisamment avancé au travail. Excuse, madame, excuse. Fort bien tout ça.
que cet épisode va s'arrêter environ par là. Popote. Ce chenipote... c'est marqué, trop bien. Ce chenipote s'appelle Jean Charme. Et je trouve ça extrêmement drôle. C'est moi qui choisis son nom. J'allais faire un tour. Je vais aller faire un tour. Attends. C'est pas avec lui qu'on peut nourrir les Pokémon ? Non, il vend juste ses patates de merde, là. Vers la boîte PC. Vers la boîte PC. Y a-t-il des Pokémon que tu voudrais me confier ? Oui. Oh, bah, j'ai déjà rempli un truc. Vas-y, mais je vais relâcher du Kenotor et de la merde, là. Hop, ça dégage. Oui, ça dégage. Bien sûr que ça dégage. C'est un moment chiant. Oui, on enlève Tourmi. Oui, on enlève Tourmi. C'est le côté Pokémon Go casse-couille, ça. Parce que c'est rigolo d'en attraper plein pour les recherches, mais fuck, quoi. Surtout quand il en faut 25 de chaque, quoi. Et en plus, la sélection, elle marche pas avec le relâchage. Pareil, Chenity, c'est de la merde, ça dégage. Que nos torts. Il faudra que j'en prenne un sur moi pour faire la quête des que nos torts, justement. J'ai développé le syndrome Pokémon Go à vouloir garder un Pokémon de chaque espèce, de chaque stade d'évolution. Comment je vais faire un gros lem s'il n'y a pas de live et qu'on peut pas jouer avec des poteaux. Ce serait dommage, ça. Fais du tri de relâcher les Pokémon de merde, quand même. Alors, dans la vie, il va falloir faire des choix. Un choix qui est évident, c'est qu'on emmène Psychoquack parce qu'on va jouer à Quackquack 100%. On va dégager Ponyta, je crois. Est-ce que je préfère jouer Beaudrive ou Nosferapti ? Je préfère jouer Beaudrive et hop, et un sécateur à la place de Ponyta. Ça me paraît bien. Psychoquack et Vibraquoi. Nous avons argenté, ouais, pas ouf comme attaque ça. Mur de fer, d'arvenin, poudre toxique. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce qu'ils veulent. Ah putain, ils se réorganisent pas, c'est comme d'habitude. Non. Tac. Tac. Un Pikachu, mais bon, j'ai un Luxio, quoi. Qui dit Luxio dit futur Luxray, donc. Un peu osef du Pikachu, quand même. C'était pour la gloire d'avoir la mascotte du truc, quoi. Bon, j'aime bien ma team. On va changer les PNG. Ah merde, j'ai pas lu. J'ai reçu 3 cahiers de. 3 sachets de cailloux effort, des cailloux mystérieux qui permettent d'augmenter le niveau d'effort des Pokémon qui se trouvent. S'ils se trouvent entre 3 et 5. Ok. J'ai pas comme prix d'item encore. Mon sacoche est pleine. Dans la boîte à objets. Ok. Je vais y faire un tour dans la boîte à objets d'ailleurs. Que je me vide les poches. Ah, il y a ma copine du clan diamant. Hop. Déplacer dans la boîte à objets. Tac. Ça, je m'en sers pas encore pour les crafts, donc hop. Ça, je m'en sers pas encore dans les crafts, donc hop. Ça, j'ai pas compris. Je comprends pas à quoi ça sert encore. Je regarderai plus tard. Plante PP, on va commencer à s'en servir. Celle-là. Franchement, pour le moment, j'en ai pas encore besoin.
s'en sert pas plus que ça. Miel qui brille. C'est rigolo. J'allais vendre mes poussières étoiles aussi. Parce que je suis riche, mais je veux encore plus d'argent. Maintenant que j'ai une tenue parfaite en plus. Acheter des vêtements. On peut pas vendre à elle. Oui. Dis-le que j'ai la classe alors que j'ai des sables que j'ai même pas acheté chez Watt. Vendre. Voilà. Hop. 5K les 5 poussières étoiles. Ça y est, je suis blindax. On va mettre à jour l'équipe dans les miniatures. On fera peut-être la quête des Quenotors demain matin. Du coup, qui dégage? Zubat, désolé. Rakayu, tu restes. Bonita, désolé. Et à la place, on met un sécateur. Je suis un peu déçu que H sécateur soit pas la forme. La forme commune de l'insécateur dans le passé, quoi. C'est vraiment que un Pokémon particulier. C'est comme avec les Serfrousses, en fait. C'est comme avec les Serfrousses et le Servilus ou le Servalus, ou je sais plus comment ils l'ont appelé. Affiché dans le dossier. Tac. Tac. Insécateur, bienvenue dans la team, mon grand. Ça va être un peu plus grand quand même, c'est un insécateur. Hérissandre, eh ben, il faut passer sur un ferisson. Ferisson et qui est bébé Tliflosion. Où est le sprite? Oh, il est beau en shiny. Il est cendré, enfin non, pas cendré, c'est pas le... Il est un peu magma, mais rouge Puzzolan. Il est chouette. J'avais jamais vu avant. Bon, par contre, on dirait un rat, hein, clairement. Ferisson, et on a pris Psychoquack. Ça va, va. Ça va, va, va. Ça va, va. Quack. Ça d'accord. Niveau 33 la quack. Je vous garantis que ça va être mon rush. Ça va être mon rush. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à quack en plus. Enregistrer l'image souffle. Et mon Psyduck des familles. Et d'harmoniser un peu les rapports de taille. C'est pas facile. Et ben voilà! Je pense que cet épisode 5 va s'arrêter là et que nous reprendrons l'aventure demain matin, de bonne heure et de bonne humeur, après un petit déj copieux et une nuit reposante. Je vous fais des bisous YouTube. À demain. Enfin, à plus tard. Enfin, c'est la joie de la vidéo OD, vous regardez ça quand vous voulez finalement. Peace!